Salut les fans Disney, c'est Oli, de retour en 2024 pour de nouvelles vidéos. Et cette fois-ci, je suis au Disney Sequoia Lodge pour découvrir l'hôtel, passer une nuit. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je voulais d'abord vous remercier tous d'être présents en 2024. Vous souhaitez encore une très très bonne année, plein de bonnes choses. Et puis bah c'est parti, on y va, allez. Bon les amis, moi je me suis posé avec un petit café, ben, j'en profite puisque c'est gratuit, offert par la réception, moi je trouve ça vraiment très cool. Ce que je voulais vous dire, donc voilà, vous avez vu, je vous ai montré les deux réceptions, la conciergerie, je vous ai montré le hall principal quand vous arrivez dans le Sequoia Lodge, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les deux restaurants, qui font office aussi de buffet petit déjeuner, mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi ce qu'on appelle les lodges, qui vous permettent de prendre des goûters, mais alors ça, ce sont des accès que vous aurez, des services qui sont proposés si vous êtes en Golden Forest, qui est un équivalent, pour ceux qui connaissent, du Compass Club, en gros, moyennant une centaine d'euros de plus que le prix d'une chambre standard. Donc ça, c'est le premier élément. Moi, là, je suis en chambre standard. Donc je découvre, voilà, on y va gentiment. Mais surtout, ce qui est important, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous dirai à la fin, je vous ferai mon débrief, je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé de ces jours, et surtout le prix. Pour le prix, est-ce que ça vaut le coup par rapport aux hôtels partenaires que j'ai pu faire, B&B, Adagio, Apart Hotel, etc. Tous ceux que vous pouvez avoir qui sont autour, qui gravitent, j'ai envie de dire, autour du resort. Pourquoi je démarre cette vidéo essentiellement dans le hall? C'est parce que le temps, les amis, c'est une catastrophe. Malheureusement, contraignant pour si vous êtes en véhicule, parce qu'il y a beaucoup de verglas. D'ailleurs, j'ai failli me faire 2-3 gamelles. Je voulais pas filmer, ça aurait pu être drôle. J'aurais pu mettre ça en bêtisier, mais bon, j'ai essayé d'arriver jusqu'à Disney intact. Pour le moment, je touche du bois, ça va. Il fait un temps exécrable, donc du coup, et là on reste un petit peu au chaud parce qu'il pleut, mais alors mais quelque chose de considérable. C'est pas la petite pluie fine, c'est la grosse pluie, et puis en plus il fait très froid, je vous assure que c'est pas simple les amis. Bon, moi ce que je vous propose, pour pas vous ennuyer avec trop de blabla et meubler cette vidéo, je vous propose de nous retrouver au moment où je rentre dans la chambre pour le room tour. Bon les amis, alors voilà, c'est parti. Alors, vous arrivez dans la chambre. Première chose, alors vous avez un premier interrupteur qui est ici. Voilà. On a une première prise qui est tout à fait ici. Et après, je reviendrai sur ça au niveau des prises, parce que là aussi, comme dirait mon ami Balou, c'est conceptuel. Alors, tout de suite à votre gauche, vous arrivez, vous avez une petite
Une petite penderie. Vous avez un petit coffre à code pour mettre vos valeurs si vous avez besoin. Donc ça, c'est pas mal aussi. On arrive directement sur un lavabo. Alors là, vous avez un sèche-cheveux. Voilà, tout simplement. On a, je veux dire porte-mouchoir, mais en fait, oui, voilà. Avec, regardez, des superbes illustrations. Très thématisées, donc pampan, Sequoia Lodge, voilà. On est dans le thème bambi, hein, les amis, voilà. Tout simplement. Bon, vous avez des petits gobelets classiques pour les dents. Là, on a un petit savon. Des serviettes, voilà, j'ai rien oublié. Si je dis pas de bêtises, alors après, ici, vous avez la possibilité, je vous montre, hein, moi je fouille et je découvre en même temps. Vous avez la possibilité de mettre vos affaires de toilette, si vous restez plusieurs jours, j'imagine. J'ouvre tout, hein, comme ça vous voyez la salle de bain. Et donc là, vous arrivez, vous avez une petite baignoire qui est assez haute, on peut se doucher en hauteur, voilà. Voilà, avec un petit rideau, je vais vous montrer. Hein. On est dans le thème des feuilles. Moi, j'ai envie de dire les feuilles d'automne. Je trouve que c'est très propre. Hein. Vous regardez au niveau des faïences, tout est propre. Alors, ça peut être un peu passé, mais je trouve que même la robinetterie, vous voyez, on a quand même des choses qui sont assez modernes. Voilà, on a... Ah oui, on a les petits shampoings que vous retrouvez... voilà, c'est mieux si je le mets devant la caméra. Hop. Là, vous avez un petit shampoing. Voilà. Et là, vous avez un après-shampoing. Voilà, avec les petites têtes de Mickey. On a une petite barre pour se tenir pour les personnes qui sont en situation de handicap ou des fois pour les personnes âgées. Parce que, bah, on a vite fait de glisser dans une baignoire. Donc, moi, je trouve ça très bien. Ça, c'est un bon point. On a même donc un petit banc, vous voyez, pour sortir de la baignoire. On peut s'asseoir. Bon, petite corbeille, hein. En hauteur, vous avez la possibilité, donc vous avez des serviettes, hein, il y en a 2, 4, voilà, et la possibilité de les faire sécher. Hein. Vous avez une, 2, 3, 4 barres, 4 serviettes, et là tout de suite, hein, je vous montre, bah, vous avez le toilette. Alors oui, le toilette n'est pas séparé. J'ai envie de dire, pour une nuit, c'est un toilette, je pense qu'il n'y a pas trop débat là-dessus. Voilà, donc... Ah oui, et j'oubliais, sur la porte, quand vous fermez, vous avez la possibilité aussi d'accrocher des choses, voilà, peut-être un sac avec vos affaires, je sais pas, un peignoir. Et là, du coup, on arrive sur la chambre en elle-même. Et là, je suis quand même assez surpris. Les amis, la grandeur de la... Regardez-moi ça. Il y a deux lits doubles. La literie est à l'air de qualité, mais regardez la place que vous avez. Quand même, c'est impressionnant. Et j'ai oublié de dire que il y a un petit miroir ici, qui est quand même pas mal. Et on a un magnifique cadre, les amis, regardez, toujours la frise hein, là-haut. Et un magnifique cadre Bambi avec Pampan. Je trouve que ce cadre est magnifique. La literie, vous voyez, vous n'êtes pas volé, c'est vraiment deux lits doubles. Les lits sont assez hauts, c'est-à-dire que c'est vraiment, on s'assoit, on est bien, vous avez quatre oreillers, des bons oreillers. Et regardez aussi la petite déco des lampes de chevet. Allez, avec le petit cerf. Alors, on a des prises à certains endroits. Alors, c'est peut-être ça le bémol. J'ai regardé là-bas. Il n'y a pas de prise. Il n'y en a pas non plus au milieu. Et encore moins ici. On a une lumière ici. Et de ce côté-là, on va avoir une prise. Et là, vous allez me dire, oui, mais nous, si on veut brancher notre portable, le recharger la nuit ou l'avoir à côté de nous, comment on fait? Vous avez cette petite chose ici. C'est un bloc de prise supplémentaire. Donc, ils ont quand même pensé à vous. Donc, vous avez une, deux, ouais, vous avez deux prises supplémentaires. Vous avez un petit voyant ici qui vous indique que c'est allumé. Vous avez... Si je vous montre pas, une prise USB-C en haut et de l'USB en bas. Donc ça, je trouve ça très sympa. Mais le problème qui est, et qu'il faut quand même dire, et que c'est le point négatif, malheureusement, de ces chambres, et j'espère que la réhabilitation prochaine du Sequoia Lodge va régler ce problème, c'est le manque de prise. On a une chambre qui est super large. Là, vous avez au moins 4 mètres jusqu'au lit. Alors, bon, c'est un peu dommage. Vous avez une petite cafetière Lavazza,
uniquement maintenant dans toutes les chambres depuis quelques mois, ainsi qu'une bouilloire, des gobelets. Vous avez un petit tiroir, et ça c'est très sympa, vous voyez, d'entrée, ça c'est offert. Vous avez du café, du sucre, du thé, du lait, voilà, donc ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment offert, hein. C'est, voilà. Vous avez également deux petites bouteilles d'eau avec des verres, donc moi je trouve ça assez sympa. Vous avez donc une petite pochette que je trouve très sympa, avec plein de pompons, de bonbilles. Vous êtes en Sandor, vous offre une petite carte postale du Sequoia Lodge avec Bambi, et j'adore ce graphisme qu'ils ont fait. Voilà, donc ça vous pouvez la garder, hein, c'est pour vous. Et je vais vous parler des Magic Pass. Oui, parce que je ne vous ai pas parlé des Magic Pass, les amis. Avant, ceux qui ont connu les Magic Pass, vous les aviez connus d'une certaine façon. Aujourd'hui, au Sequoia Lodge, les Magic Pass, et ben voilà, ils ressemblent à ça. Ils sont magnifiques, les amis. Moi, je les trouve juste trop beau, avec Bambi, Pampon, voilà. Et donc, vous pouvez les garder, c'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà, les amis, là, je vous reprends en face caméra. Du coup, alors, vous avez, quand vous arrivez, on vous remet donc vos Magic Pass. Donc, on est deux adultes seulement, là, je suis pas venu avec mes enfants sur ces jours-là. Donc, vous avez deux pannes. Je voulais vous parler aussi de tout ce qui est réseau Wi-Fi dans l'hôtel. J'ai constaté que le réseau, que ce soit pour les téléphones portables ou le Wi-Fi, passe super bien. Alors que sur Resort, généralement, c'est compliqué. Quand on est sur Disneyland Park, sur le premier, ou des fois sur Studio, il faut se connecter et se reconnecter. Donc, c'est pas, je trouve que c'est pas efficace encore. Donc voilà, là, j'ai une accumulation de bons points. Je découvre dans cette vidéo avec vous. Hein, je vous dis vraiment, je découvre. Hein, je suis jamais venu. Je trouve que c'est pas mal. Je pourrais vous parler de la moquette, je pourrais vous parler de l'état général de l'hôtel qui paraît un peu vieillissant. Ben oui, il faut savoir que le Sequoia Lodge, c'est un des premiers hôtels de la destination chez nous en France. Donc il commence un petit peu à vieillir. Alors après, il y a peut-être des choses qui ont changé avec le temps, du mobilier, il y a eu de l'amélioration, je pense au niveau de la télé, au niveau du réseau, etc. Moi je peux pas trop en juger puisque c'est la première fois, mais voilà, donc je trouve que c'est déjà pas mal pour une chambre standard, surtout on a de l'espace, on se sent pas étriqué, mais du coup voilà, très très bon point, et on est en chambre standard. Je voulais vous parler aussi de ce qu'on peut retrouver comme service. Je vous ai montré des petites séquences. Vous aviez la boutique, si vous voulez faire vos achats directement dans l'hôtel. Vous avez un bar lodge qui est ouvert de 13h à 1h du matin. Vous pouvez boire un café, un soft ou une boisson, une bière, ce que vous voulez. Donc ça, c'est très sympa. Vous avez la possibilité, bon, je n'irai pas parce que vu le temps et je commence à être déjà un petit peu crevé, mais vous avez la piscine, vous avez l'accès à la piscine. Ça c'est, voilà, ce sont que des plus. Bon, les amis, moi je me balade un petit peu dans l'hôtel, j'en profite puisque le temps est exécrable. Je vais vous montrer, je vais aller sur la petite terrasse, je vais vous montrer un petit peu en fait la vue qu'on a. Et le temps qu'on a pour que vous compreniez pourquoi en fait là pour le moment ça se passe vraiment à l'intérieur. De toute façon cette vidéo est dédiée que à l'hôtel. J'en profite également pour vous montrer le point de rencontre. Alors là vous avez la boutique souvenir, voilà. Et ici c'est le point de rencontre des personnages. Alors pour le coup, moi quand je suis arrivé direct en fait il y avait la rencontre avec Donald en tenue forestier, je ne sais plus comment on dit, je vous mettrai un titre là, voilà. Donc super sympa. Allez, attendez, je vous mets la petite photo là, sympa hein. Donc je suis super content, vous le savez, j'arrête pas de le dire, je suis un grand fan de Donald, et là j'arrive accueilli par Donald, donc pour ma première expérience au Sequoia Lodge, déjà ça c'est super cool, et pas beaucoup d'attente. Même pas à 10 minutes, ça se passe super bien. Je trouve que les rencontres dans les hôtels sont mieux gérées, mieux organisées que sur le parc. Alors ça, c'est un petit constat que je me suis fait. Donc voilà, bon, on va continuer la petite balade. Je découvre en fait en même temps que vous, si vous ne connaissez pas le Sequoia Lodge, moi je trouve qu'il y a des ambiances qui sont super sympas. Vous voyez derrière la petite cheminée,
On peut s'asseoir, là, se poser, boire un verre. J'imagine le soir, quand il fait très froid, qu'ils allument le feu, la cheminée. Ça peut être super cool. Et je me rends compte que je suis un petit peu jauné. Pourtant, j'ai fait la balance. Du coup, je pense que c'est dû aux lumières. Bon, voilà, m'en veuillez pas. C'est la colorimétrie un petit peu bizarre, mais c'est vraiment les tons jaunes. On a vraiment ce sentiment, c'est apaisant. Ça, déjà, ça, vous arrivez, vous n'êtes pas dans un truc qui vous flash la tête, les yeux. Vous pouvez arriver à avoir mal à la tête ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment apaisant. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et là, donc, je vais essayer de vous montrer la petite terrasse. On va essayer de sortir. Allez, je vous montre ça, je vous reprends après. Bon, voilà, là je suis sur la terrasse, comme je vous ai montré. Donc, elle est couverte. Hein. Pour le coup, je vous montre. Hein. Il y a un toit sur ma tête, et puis après, derrière, là je vais pas le faire parce que vu comment il flotte, j'ai pas trop envie de flinguer mon matériel. Alors, je dis bien, ça peut faire office de zone fumeur. Je vous montre, hein, voilà. Ne soyez pas surpris. Voilà, s'il y a des gens qui fument, à l'endroit où vous êtes, si vous n'êtes pas fumeur, je tenais quand même à rappeler qu'il y a une tolérance à Disneyland Paris, dans les hôtels, à certains endroits dédiés, voilà, pour fumer. Mais je rappelle que, de base, Disneyland Paris, le resort, est non fumeur et que la cigarette est interdite, mais il y a des zones qui sont créées pour ça. Après, je sais qu'il y a une loi qui va bientôt paraître et qui va interdire de fumer dans les lieux publics. Après, c'est un autre débat. Moi, je ne juge pas les fumeurs, voilà, sachez-le, je juge personne. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais sachez que si vous êtes fumeur, vous avez le droit. Voilà, il y a une tolérance, tout simplement. C'est plutôt cool. Là, je vous ai montré donc quelques petites séquences. Il faut savoir que vous allez trouver des fontaines à eau pour prendre de l'eau tout simplement, recharger votre gourde pour la journée dans l'hôtel. J'ai pas vu de distributeur de billets. Peut-être il y en a. Si j'ai cette info, je vous la donnerai bien évidemment. Il y a des toilettes aux normes handicapées. Vous avez des ascenseurs, notamment. Je vous montre un petit peu. Là, on est au niveau du buffet du Beaver Creek. Vous avez pas mal de superbes tableaux comme ça. Voilà, vous avez donc des ascenseurs ici. Vous avez la possibilité donc de monter à l'étage directement parce que bien évidemment, il y a les escaliers. Franchement, déjà ma première impression, c'est qu'on est vraiment, vraiment bien, bien, bien accueilli. Ce qui m'a plu, c'est qu'arriver au hall en fait de l'hôtel, hall d'entrée, on a été accueillis par un cast qui était tout simplement bienveillant et cool quoi d'entrée. Donc il nous a accueillis, mais voilà, on a l'impression bienvenue, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, les gens sont réactifs, le personnel est cool, c'est déjà un très très bon point. Désolé si je me répète un petit peu, si je cherche mes mots, c'est parce que je découvre. Je vous parlais tout à l'heure d'une petite fontaine à eau qui se trouve à côté de la réception et de la conciergerie, qui est donc juste là. Vous voyez, on a l'eau froide et j'imagine de l'eau tempérée. Vous mettez votre gourde, vous voyez, c'est indiqué fontaine à eau en libre service, donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien avoir un accès avec de l'eau potable, donc c'est plutôt cool. Vous avez aussi des téléphones.
Je pense qu'il y a un lien avec la réception, mais rassurez-vous, dans tous les cas, dans les chambres, vous avez des téléphones et vous avez la possibilité d'appeler la réception s'il y a le moindre problème. Et j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que le personnel au Sequoia Lodge était très réactif. Donc, vraiment très bon point. Et surtout, bon point quand vous arrivez à la réception, je voulais le dire, vous avez des toilettes de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous arrivez, voilà. C'est très propre. Voilà, je vous dis, moi je le trouve, c'est vraiment très propre. C'est calme dans le sens où il y a du bruit parce que vous avez des gens, des familles. Mais je trouve que c'est très calme, que, comme je vous disais tout à l'heure, les lumières, c'est apaisant. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, pour le moment, moi, je trouve que des bons points. Alors, est-ce que c'est parce que je viens d'arriver, que c'est la hype, que je découvre, hein? Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà venu au Sequoia Lodge. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance, des lumières, justement, ça pourrait être intéressant. Bonjour madame. Bonjour. Vous voyez, je vous le disais, c'est un exemple. Personnel accueillant, cast member, le sourire, bonjour. C'est vraiment cool. Allez, les amis, là on est le soir. Pourquoi je vous parle là face caméra, à ce moment-là dans l'hôtel. Donc journée très éprouvante. Je pourrais vous raconter ça dans une vidéo anecdote. D'ailleurs, il y aura une vidéo de mes anecdotes 2023 et 2024. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Il y a des choses assez hallucinantes encore que j'ai à vous raconter, mais ça sera dans un prochain format vidéo réaction. En l'occurrence, j'ai remarqué quelque chose au niveau de la salle de bain. Vous avez un pommeau de douche qui change de couleur. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être vous ne l'avez pas remarqué. Je pense que c'est une démarche écologique de la part de l'hôtel qui se veut être dans l'esprit. Alors, moi, ça me fait un petit peu sourire parce que c'est vrai qu'il y a la démarche, le côté Bambi, la nature, et en même temps, Hunter's Grill, hein, le restaurant des chasseurs, bien sûr. excusez-moi. Voilà, petite référence pour ceux qui suivent ma chaîne, le test full Hunter Grill où j'avais mangé de la terrine de lapin. Voilà, bon. Je ne prendrai pas position là-dessus. J'en connais une qui rit derrière la caméra. Mais du coup, voilà. Donc il y a l'esprit, la nature, l'Hunter Grill, voilà, le restaurant, Beaver Creek, donc des animaux qui font des barrages. On a un rapport à l'écologie. Alors en fait, ici, vous avez donc votre pommeau de douche qui est là. Voilà, rien d'exceptionnel. Et vous avez ici un petit sticker. En fait, les lumières sur le pommeau vous indiquent en temps réel le volume d'eau utilisé. Quand vous démarrez votre douche, le pommeau de douche va se mettre au vert. C'est un indicateur qui vous dit que vous avez consommé entre 10 et 20 litres. C'est assez pertinent. Ensuite, il va passer au bleu d'abord, entre 0 et 10 litres, après il va passer au vert. Puis, violet, voilà, 20-30 litres. Et du coup, quand il passe au rouge, vous savez que là, vous consommez plus de 30 litres, les amis. C'est énorme, on ne se rend pas compte de ce qu'on consomme. Et ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, quand on va dans les hôtels, mais je pense que ça, c'est un peu tout le monde, hein, mea culpa, on a tendance à dire, oh, on n'est pas à la maison, allez, on se prend une douche, là, on reste un quart d'heure sous l'eau chaude. C'est vrai, ça fait du bien, on le fait tous. On le fait tous, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette démarche. J'ai envie de dire, j'allais dire éco-responsable, mais je ne vais pas commencer à employer des termes où jouer l'écologiste, vous savez, sur la chaîne du partage, moi, c'est la transparence avant tout. Voilà, je suis honnête hein, dans ma démarche, dans tout ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous partage ces choses-là. Quand ça me semble pertinent, comme ça, bah, c'est important pour moi de vous le dire. Donc du coup, voilà, il y a cette démarche qui est quand même qui va avec l'hôtel. Je trouve que c'est une bonne démarche de la part de Disney, parce que ça peut faire prendre conscience, vous voyez, comme moi. Juste, j'ai pris une douche, puis j'ai mis, c'est vrai que là, j'aurais pu couper, Et on a tendance à le faire parce qu'on est à l'hôtel. Après, est-ce qu'on le fait chez nous? On se rend peut-être pas compte. Peut-être que oui. Voilà, en toute transparence, je trouve que c'est encore un bon point, voilà, pour le Sequoia Lodge. Vous voyez, je trouve que quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons points, et on est sur une chambre standard. J'ai pas testé les services, je pourrais malheureusement... Dans ce full tour, alors quand j'avais dit un full tour, mais je ne pourrais pas tout vous montrer. J'essaye de vous montrer un maximum de choses et être le plus concis possible sur les choses. Deuxième chose, sur la salle de bain, vous aurez peut-être remarqué des fois, vous avez ça. Alors moi, à une époque, je le retrouvais dans pas mal d'hôtels et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un système
qui se déclenche, qu'on voit un truc qui sonne. Et puis, je voyais à l'autre bout, ça, qui ressemble beaucoup à une serrure. Mais là, vous allez voir, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous tirez, je sais pas si vous voyez, on tire, c'est, j'espère ne pas le péter. Vous voyez, ce petit embout. Ok. Et on vient le mettre tout simplement ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Et ben, ça vous fait tout simplement un petit linge pour suspendre soit des serviettes supplémentaires ou peut-être des t-shirts, des sous-vêtements, ce que vous voulez. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Alors c'est pas une innovation de fou, mais je trouvais que c'était quand même subtil et intéressant de vous le dire, de vous le partager, parce que il y a des fois des choses comme ça, on ne sait pas. Alors ben, voilà, je vous donne l'info et dites-moi en commentaire si vous connaissiez. Ben, voilà, je vous donne le truc, vous allez le retrouver dans plein de chambres. Dans plein de salles de bain, excusez-moi. Donc dans des chambres d'hôtel, mais voilà, dans les salles de bain. Souvent, bah voilà, ça sert à ça, tout simplement. Voilà les amis. Je vais vous dire bonne nuit et je vous retrouve demain. À demain. Et nous voilà le lendemain matin, après une nuit assez agréable. Voilà, la literie très confortable. Très bon lit, on a bien dormi. Très bon point encore aussi au niveau de l'ambiance. C'est calme, on n'entend pas l'extérieur, on n'entend pas ce qui se passe à côté, on n'est pas embêté par les bruits de couloir, les gens qui parlent au pas de la porte, ni par le personnel, tout le monde est discret, cool, et ça c'est un très bon point. Comparé à d'autres hôtels qu'on a fait, où généralement on était dérangé avec l'aspirateur à 8h du matin, après, le personnel fait le ménage, je comprends, mais à un moment donné, on est dans un hôtel, peut-être que les gens aussi ont besoin de se reposer. Après, ça, c'est autre chose. Dites-moi en commentaire, hein, si vous avez vécu aussi des expériences pas très cool dans des hôtels partenaires, si vous aussi, ça vous dérange le fait d'être dérangé à 8h du matin, ou alors d'avoir une nuit courte, parce que, tout simplement, il y a des gens à côté qui tapent dans les murs, des gamins qui crient, tout ça, ce qui peut arriver, hein. Alors peut-être que je suis tombé sur une nuit où il y a moins de monde dans l'hôtel, où c'est plus calme, voilà, mais en tout cas c'était agréable, donc ça c'est vraiment ce que je voulais dire. Et la grosse surprise au réveil, je m'attendais pas du tout à voir ça, eh bien il a neigé dans la nuit. Et voilà la vue en fait que je ne pouvais pas vous montrer hier. Donc vraiment, on est vraiment au plus près de la nature, on a des sapins devant nous, normalement des séquoias, hein. Voilà. Et puis en plus le temps qui s'est découvert, il fait super beau, il y a de la lumière, on voit quasiment le ciel bleu. Donc ça, c'est super cool pour aujourd'hui, ça veut dire qu'on va pas passer la journée dans la flotte comme hier, parce que ça c'était vraiment crevant, plus le froid, tout ça. Donc ça, belle surprise, vous voyez, vous vous réveillez, on ouvre les rideaux, bah ça fait plaisir et je suis content pour ma première visite dans un hôtel Disney. C'est cool quoi, parce que là on est vraiment dans le thème. Moi j'adore ce côté-là avec les sapins, avec la neige dessus, c'est dingue. Donc voilà, pour ça, pour la nuit, voilà, très bon point, bien dormi, bien récupéré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi c'est super intéressant, j'adore avoir vos retours, sachez que je réponds à tout le monde et merci à tous ceux qui commentent, donc je vous invite à le faire et je vous invite aussi d'ailleurs dès maintenant, si c'est pas déjà fait, à vous abonner, liker si vous aimez cette vidéo et je vous en referai d'autres, dites le moi voilà, en commentaire. Et donc voilà, donc c'est toutes ces choses là voilà, qui pour moi forment un ensemble au Sequoia Lodge qui est très agréable. J'espère que ça vous plaît ce type de vidéo, ces petits vlogs comme ça en hôtel, puis finalement c'est l'immersion puisque vous êtes avec moi. Bon les amis, c'est l'heure du débrief sur le Disney Hotel Sequoia Lodge. Donc j'ai bien dormi, j'ai bien mangé aux alentours, j'ai pas testé le bar qui est en bas en fait au niveau de la réception. Je vous ai montré, vous avez un bar qui est ouvert de 13h à 1h du matin. Je sais que vous pouvez manger des snacks, je voulais vous donner l'info parce que je pensais qu'on pouvait juste
prendre un café, une bière, enfin voilà, une boisson. Mais vous pouvez apparemment manger même le soir. Il y a des gens qui mangeaient 21h, 22h. Donc vous pouvez manger. Bon, j'imagine que c'est des snacks. Après, au niveau des prix, bon, ça reste les prix Disney, les amis. Ça peut être intéressant. Voilà, ça peut dépanner. Donc pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les points positifs de cet hôtel, donc le calme, la literie, confort, les prestations à l'intérieur de la chambre, même en chambre standard, je trouve ça très bien, très correct. La déco, d'aspect général, j'ai envie de dire, bon, c'est un point négatif, oui ou non. Il y a des gens qui aimeront et d'autres qui aimeront moins. Bon, voilà, c'est une déco qui commence à vieillir un petit peu dans le temps. Mais moi, je me mets à la place d'une famille avec deux jeunes enfants. Les gamins, il faut les faire rêver un petit peu aussi. Je pense que même s'ils peuvent aimer Bambi, hein, c'est pas le problème. C'est quand même un dessin animé qui a plus de 40 ans quand même et qui est un peu passé, on va dire. Je pense que Disneyland Paris devrait effectivement, et je pense qu'ils y ont réfléchi, mais réhabiliter l'hôtel et rethématiser sur des dessins animés plus actuels pour que ça parle à tout le monde, en fait. Voilà. Mais sinon, donc la chambre très propre, tout ça. Voilà. Hormis donc l'autre point négatif que je vous disais, c'était le manque de prise à côté. Voyez du. Vous avez le téléphone pour la réception. Je vous en ai pas parlé, mais bon, ça pour moi c'est un classique. Hein, s'il y a rien de particulier. Vous avez une petite table au milieu. Alors oui, effectivement, ça peut être embêtant si vous voulez chacun avoir une table de chevet de part et d'autre du lit. Mais bon, après, il faut comprendre, vous avez quand même deux grands lits doubles. Donc c'est quand même, vous avez un avantage contre un petit inconvénient. Voilà. Je pense que si on fait la part des choses, c'est pas bien méchant, surtout pour une nuit. Mais donc du coup, le bémol, c'est de ne pas avoir les prises à côté. Mais ça, je pense que c'est dû aux conventions actuelles de notre époque. Le fait d'avoir notre smartphone à portée, demain, on vit avec notre temps. Voilà, après, moi, j'ai pas de jugement, pas de morale à faire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir quand même son téléphone pas trop loin de nous, surtout la nuit. Peut-être joint par, je sais pas, de la famille, des amis, il peut se passer quoi que ce soit, c'est bien des. Voilà. Bon. C'est pas bien méchant, je pense que ça aussi, ça va se faire dans la réhabilitation. Je pense que Disneyland Paris ont eu les retours, hein. Je pense pas être le premier à le signaler. Voilà. Et du coup, donc, que des points positifs. Quand je vous ai montré la conciergerie, la bagagerie, la réception, je vous ai pas montré la piscine parce que, voilà, quand je vous ai dit que la piscine était à l'extérieur, en fait, elle est en intérieur, c'est un bâtiment qui est en intérieur, mais il faut sortir de l'aile où vous êtes, de l'hôtel, vous traversez, quoi, vous faites, allez, je sais pas, 50 mètres, 100 mètres, et puis vous avez un petit chemin de bois qui est couvert, voilà, et vous re-rentrez dans un bâtiment et vous avez la piscine, les accès, et puis c'est chauffé, quoi, voilà. Dans l'ensemble, rien à redire, voilà, de plus. Moi, j'ai passé un bon moment. Le prix, voilà, on va aborder le sujet qui est le plus intéressant. Mais vous allez me dire, ouais, mais ça a dû quand même payer ça assez cher la nuit. Généralement, ce type de chambre, je vous donne le prix. Quand vous allez à Disney, en fonction de la saison, de l'époque, les tarifs changent. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais le même prix. Si vous allez sur le site de Disneyland Paris pour faire les réservations, vous allez voir qu'à la veille, par exemple, je dis une bêtise, vous y allez, vous réservez le 8 février, vous allez avoir un prix, je dis une bêtise, 500 euros la nuit. D'accord ? Vous allez aller le lendemain, le 9 février, vous allez avoir la chambre qui va être à 600-700 euros. Je vous assure que c'est comme ça. Vous retournez un peu plus loin, vous attendez une semaine, deux semaines, vous avez la chambre à 400 euros. Bon, voyez, ça varie. Moi, je suis pas passé par Disney pour la réservation. Comme vous le savez, il y a beaucoup de sites qui permettent aujourd'hui de payer moins cher pour les nuits d'hôtel. Et surtout pour les nuits sèches. Le problème avec Disney, c'est que si je passe avec eux, je peux payer une nuit sèche, mais je vais la payer plein pot. Moi, je suis passé par Booking. Voilà, alors, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Mais je vous donne le truc. Donc, je suis passé par Booking. Ça, comme beaucoup de gens le savent, ça permet d'obtenir des tarifs assez importants. L'astuce,
que je vais vous livrer, et après je finirai et je vous donnerai, réellement vous inquiétez pas, je vais vous donner le prix que j'ai payé, vous allez voir, c'est hallucinant. Donc l'astuce pour vraiment payer pas cher, il faut choisir déjà votre période. Donc comme je l'avais dit dans une vidéo sur comment gagner du temps à Disney, etc., la première des choses, c'est de toujours regarder les calendriers d'affluence de Disney. Et notamment, vous regardez sur Booking les périodes. Sachez qu'au mois de janvier, alors où je tourne cette vidéo, on est après les fêtes. Il n'y a plus trop d'événements sur Disney, hormis à partir du 10 février, où vous allez avoir la symphonie des couleurs avec la parade, le nouveau show musical et le pré-show sur le château d'Aurore qui a déjà commencé depuis un petit moment. Vous allez avoir une période creuse. Janvier, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, souvenez-vous, c'est une période creuse. Donc les tarifs, il y a moins de monde généralement. Alors ça peut paraître bizarre quand je dis qu'il y a moins de monde, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde quand même à Disney. Mais là, pour le coup, eh bien, vous avez des tarifs qui sont très très bas. Et sur Booking, l'astuce, les amis, si vous y prenez à l'avance, je vous promets que vous pouvez vous faire tous les hôtels Disney à des prix compétitifs que même Disneyland Paris, même s'ils faisaient des efforts, ils ne pourront pas vous faire ces tarifs-là. Je vous dis le truc, moi j'ai réservé peut-être deux semaines et demie à l'avance. Je suis tombé, donc pour la nuit du 17 janvier au 18 janvier 2024, à un tarif de 213 euros tout rond. Chambre standard. Sachez que quand vous allez sur Booking, vous pouvez également choisir les chambres. Des fois, on va vous proposer chambres avec terrasse, qui sont un petit peu plus cher. Moi, j'aurais pu prendre la chambre avec terrasse pour 250 euros. Vous voyez la saison à laquelle on a, il fait froid, j'aurais pas pu profiter de la terrasse, donc je l'ai pas fait. Et vous avez des fois des propositions de chambres en Golden Forest. En Golden Forest, si j'avais voulu, j'aurais pris la chambre à 340 euros. Oui, les amis, j'ai bien dit 340 euros. Alors, je sais que ça reste une somme pour une nuit, j'en suis bien conscient. Mais quand on voit l'ensemble de l'hôtel, quand on voit les services, l'accueil, vous avez quand même la proximité. Ça vous évite de marcher, d'aller à 3-4 stations ou de faire des allers-retours si vous venez en voiture pour vous garer ou payer le parking de Disney. Si vous n'avez pas de passe annuel, vous allez payer quand même, je crois que c'est aux alentours de 30 euros. Là, les parkings sont gratuits. Donc c'est un sacré avantage, vous pouvez laisser votre voiture pendant 2-3 jours, vous ne l'utilisez pas. Et vous avez même les navettes qui partent du Sequoia Lodge, qui vous ramènent si vous ne voulez pas marcher. Hormis là en ce moment, on est dans une période en zone orange partout dans le nord de la France, mais sinon ça fonctionne. Du coup, voilà, quand vous avez des tarifs comme ça, je sais que ça pourrait être une somme, mais sachez que vous avez la possibilité de faire coucher quand même 4 personnes. Après vous pouvez avoir des chambres qui vont proposer plus de places, etc. Après bien évidemment, plus vous montez en gamme, j'ai envie de dire, plus le tarif va changer. Mais là pour le coup, pour une nuit, pour deux personnes, 213 euros, je crois que c'est imbattable les amis, et je vous invite à regarder sur Booking le calendrier réservé à l'avance. Je vous donne un truc pour le DLH, le Disneyland Hotel, je vous le donne le truc. Si vous vous y prenez maintenant, on est en janvier 2024, vous réservez pour janvier 2025 ou février 2025, vous allez voir les tarifs pour les chambres de base, pour une nuit, deux adultes. Vous allez tomber, moi je suis tombé sur un tarif à 600 euros et j'ai un ami qui m'a dit qu'il est tombé à moins de 600 euros la nuit. Si vous voulez juste vous faire un kiff une nuit, vous y prenez peut-être un an à l'avance, je sais, c'est un peu long, vous y prenez un an à l'avance, mais je vous assure que vous allez avoir un tarif intéressant. Et sachez une chose, quand vous y prenez à l'avance, vous avez un délai pour payer la chambre. C'est-à-dire vous ne payez pas tout de suite, donc vous n'avez pas à avancer tout de suite, payer directement. Vous faites la réservation et on vous dit, par exemple, si vous y prenez à l'avance, vous réservez pour janvier 2025, on est au mois de janvier là, 2024, on dit vous payez rien avant novembre 2024.
Donc ça, c'est intéressant. Ça vous laisse le temps de mettre de côté, de faire ce budget. Ou vous pouvez directement payer la chambre. Sachez que vous avez l'annulation gratuite avant la date où vous devriez payer. Et vous avez quand même cet avantage-là. C'est-à-dire qu'en cours de route, vous dites, bah, finalement, j'annule parce que ça ne va pas pouvoir se faire, vous avez un empêchement. Eh bien, ça ne vous coûte rien, vous annulez, point barre. Mais dans le cas, je vous invite vraiment à regarder sur Booking. Et je pense très sincèrement que si vous voulez vous faire un parcours avec vous faire tous les hôtels, si vous arrivez à économiser, à mettre de côté, je sais que ce n'est pas forcément évident, vous mettez un billet de côté, je suis sûr que vous pouvez faire tous les hôtels. Et d'ailleurs, on en reparlera en vidéo, je pense, parce que je vais faire d'autres hôtels. Le Newport Bay Club, c'est un de mes projets. Je vais bien évidemment tout faire pour y aller. Je reviendrai, ça c'est sûr, je valide. Bien évidemment, les tarifs, bah, ça aide beaucoup. Et sachez que ces tarifs-là, vous les obtenez même si vous n'êtes pas à passe annuelle ou des choses comme ça. Et même si vous venez pas forcément sur le parc, que vous voulez juste vous faire un kiff les hôtels, vous pouvez très bien séjourner, il y a des activités, il y a plein de choses à faire dans les hôtels. Voilà, vous embêtez pas, quoi, faites-le, faites-vous plaisir. Bon, les fans Disney, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite, bien sûr, à, comme toujours, à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire en commentaire, faites-moi vos retours. Je vous retrouve très bientôt pour... Il y a une vidéo qui va sortir aussi sur la chaîne Oli Partage. Le petit test food, j'ai été tester la Cantina, voilà. Le restaurant le moins cher de Disneyland Paris, est-ce que ça vaut le coup? Vous allez retrouver ça bientôt là sur la chaîne. Et puis moi, ben, il me reste plus qu'à vous dire à très très vite, à dans 15 jours, pour une nouvelle sortie de vidéo. Je vous embrasse les amis. Profitez bien de la magie Disney. Prenez soin de vous. Bye bye.